Okay, guys. Good evening. Good evening. This is Luiné NCLEX with you. Une fois encore, pour un free teaching, montrer la chaos, montrer une bonne motivation, moi je viens encourager qui gens et comment pour passer examen NCLEX ou même qui LPN ou même qui AN ou bien un vrai tuteur dans West Palm Beach, dans Floride. Qui pour vous motiver, qui pour vous teach you, qui pour encourager seulement et seulement en créole. Dans la langue mamona, dans la langue papola. Pourquoi pas? Spanish la fait, américain fait en anglais, Spanish la fait en espagnol. Moi-même choisi dans la communauté haïtienne pour m'aider en créole. Je ne propose pas de parler anglais pour me gagner plus de clients, ni je ne parle pas anglais. Ni m'a pas le faire en espagnol pour me chercher plus client. Je choisis pour me faire en créole et à soya. Nous pour montrer que nous voulons motiver, nous pour encourager. Chaque monde qui monte sous la là, moi besoin pour chercher minimum à 10 monde. Ou à chercher à 10 monde, moi besoin faire, moi besoin gagner plus monde parce que c'est éducation à bail, c'est encourager, là pour encourager pour venir en professionnel pour gagner une licence aux États-Unis et bien pour qui ça nous pas gagner pile monde. À soi-même choisi pour me faire ça après tout et après travail que je travaille après fatigue je choisis pour mes dos jeudi vendredi à gaz listen moi je veux partager moi je veux partager moi je veux un record moi je veux ouais en pile monde parce que c'est pas payé à payer moi pas venir faire pour payer même venir faire pour encourager une communauté qui soit qui besoin yon tuteur yon moun kap encourager qui pour teach comment pour passer l'examen avec ça. Listen guys, avant d'aller plus loin, listen. Thank you guys, thank you, thank you. Merci, merci à vous-même qui t'avez partagé, ou même qui toujours attend vidéo mieux, ou même qui parlez de moi-même qui en pile en pile appel à soi. Je dis à moi bouquer recevoir appel monde New York, New Jersey, Boston, dans Florida guys et tout partout après les ruinés. NCLEX with you guys. Thank you so much, guys. You've been doing a very, very, very good job. I really appreciate it. Thank you. Thank you, guys. Keep sharing the live tonight. I'm not gonna start it. I wanna see, guys, tonight, I wanna see minimum 1,000 students, 1,000 people. Please, depuis que je commence la live, no call. Je vais vous sur Facebook depuis grand matin, ma live. Je vais vous yes, moon. Relim. Ou après les marques là, ok guys, call me after the live if you need information about the NCLEX, about the review. Listen guys, if you need a review guys, even in English, it's okay. You're gonna call me once I have a group of students. I'm gonna have a schedule, a special schedule for students who only speak English, guys. You're gonna call me at 561-319-4660 guys. For students who only speak English, you're gonna call me at 561-319-4660. But this lab gonna be, guys, I'm sorry, it's gonna be only in Creole and some English. Okay? Listen, guys, ou même qui besoin review avant même commencer la vla depuis la première minute, yo, m'a duré le 561 319 46 60 sous besoin review seulement en créole dans langue mamona dans langue papola m'a enseigné ma bonne technique ma bonne stratégie m'a mettre content parce qu'il faut qu'on content pour passer examen et à soir on vient avec content là sous garder title of the live it is we're gonna be speaking about pre-eclampsia eclampsia and HEP. C'est trois complications qui ont remis bay dans examen NCLEX sous besoin vinn brand. God, listen, the formula is, listen, tout le monde comme ça. Donc, moi, je vais chercher carré. Listen, guys, you need this. You need this. You need this. Ou besoin yon fait papier, ou besoin yon plume, ou besoin yon crayon, ou besoin yon carré pour prendre note. Yon étudiant qui l'aime dernièrement, il dit, mais l'aime, guess what? Grâce à vous-même. Dans le live que je suis sur infection, je réponds à l'infection contrôle dans Facebook sans aucun problème. Thank you, Luiné. Je dis, oh my God, I'm doing something good.
Guys, I really appreciate ou même qui toujours encourage ou même qui dit continuer, pas occuper moun qui parler, pas occuper moun qui dit ça ou vle dire, mais ou font bon travail parce que c'est en créole ou fait, moun qui fait en anglais parce que besoin plus cop qui fait en anglais, moi même fait en créole, ou ka comprendre ça. Partagez, c'est ça que je m'en dis, partagez. Depuis que j'ai 20 moun sous la vla, 20 multiplié par 10, en aller. Moi besoin ou 100 moun là, moi besoin ou 200 moun, moi besoin ou 300 moun, moi besoin ou 400 moun là, moi besoin ou 500 moun, come on. L'autre message, l'autre bagaille fait, plein moun en bas la vie. Moi même c'est éducation m'a fait, ou gen ou anxiety, ou stressé pour passer un examen, ou pas ta passer, ou par contre qui moun pour chouette, ou par contre qui moun pour quoi, pour passer examen, ou par contre qui moun qui pour aide, pas gen moun qui voulait bon aide, moun qui finan vont yo aller, à travailler, à faire des jobs, ou pas vle, moun qui quand est fini vam yo, yo tout besoin un millionnaire, yo tout a fait des jobs, yo tout next practitioner, guess what? Moi même choisi pour me focus, pour m'aider communauté là avant. Zanmou qui te fini à l'aller, il va jambre l'eau, la travail deux jobs. L'autre zanmou te gagne qui te a volé col là l'aller, la fait deux jobs, trois jobs, pour acheter caille, pour acheter machine. Moi même choisi pour m'aider, encourager, partager la là. Mettez l'en bas en bas en bas poussou ou même qui gagne zanmou qui t'es étudié avant ou même sous t'es passé déjà ou c'est neuf déjà partagez avec un autre neuf dernièrement notre presque il y avait 300 notre presque il y avait 300 moun à soi besoin pipiti 500 moun sous besoin stitching I'm gonna be speaking about obi ou pas j'en connais ou qu'on arrive un examen ou 10 15 questions obi ou bien c'est comme ça qu'on choisit pour ba ou question sous site tout you gonna avoir 10 à 15 questions site ça est gratuit. Listen guys, sous besoin me faire la vla, partagez. Si gen si me gen 20 moun, me besoin ouais, 20 multiplié par 10. Rapide. C'est éducation m'a fait, moi pas vinn bon information que vous connaissez déjà, moi pas vinn parler de pays, moi pas vinn parler de rien, non parler de coronavirus déjà, non dire comment vous prendre précaution pour coronavirus déjà. Guess what? Coronavirus ça gen pour l'aller. Ou même ou gen pour préparer ou besoin après examen. Yes, let's go guys. N'importe monde qui en bas la vraie guys, tell me where you at, qui bon représenter, qui kotoye, dans qui state touye, et puis juste pour nous capable continuer. Les 8h11, n'a commencé environ 8h15, si nous wè que nous gata gen environ 100 moun là, nous besoin 500 à 1000 moun à soya. C'est Luinéen Clex Review, education is key of life guys. You want your education, you want to move on with your life. Guess what? Zan moun la te passe examen, li ba jamais do. L'autre qui t'est allé qui pré examen passé, yo ba jamais relo. Guess what? Moi même m'vini pour mes do guys. Listen, guys, branché n'a ba technique, n'a ba stratégie pour passer examen et avec un pile content, bon content comment pour comprendre pour examen. Guess what? On garantit ou passe examen. You got to focus and pay attention. Let's talk about we're going to be talking tonight about guys, the difference between preeclampsia, eclampsia and HELLP disease. Nous allons parler de trois complications ça yo ou joine nan yon fille qui enceinte ou bien nan pregnancy. Guys, you remain by eclampsia, you remain by preeclampsia, you remain by HELLP disease la. So guess what? Ou partagez ou été branché ou ap joué nan bagay. You gonna find something tonight, guys. I'm telling you that. Ou ap gen bagay ou ap pran, ou besoin ça seulement nan mon pou pran not, na fèl pou ou, na pedo, motivo. Guess what? Mwen la pou medo. Ou même qui besoin review, après la vla rele nan 561-319-4660. If you need a tutor, you need a review, guys, for your NCLEX exam, call me at 561-319-4660, guys. Let's start it. It's 8:12, guys. We're gonna start it at 8:15. Get ready. Okay, guys. I need more people. I need more. Share it up. Keep sharing the live, guys. Partager. En aller, na fait éducation. Nous pas parler d'un thème qui est important pour examen. Et, ou comme ça qui est bon en moi-même. Lè m'a parlé d'un thème depuis mon petit grain bagage qui est entré dans le thème, m'a développé le goût. Mette te parler de calcium, mette ta fond question là ou bien calcium par là dedans au calcium, you need to know le calcium et m'a développé le goût. Je fouille potassium dans le thème là pour moi, m'a tout développé. Ça fait pas chambre café dans le thème, parce que m'a un pile bagage pour m'expliquer pour examen. Alors les gars, partagez, guys. Partagez, guys, en fait. Come on. M'a suivi live. Moun ap gen pile moun. Come on. Éducation. Ou pas dépenser un goutte pour tandem là. M'a encourage ou à soya. En partage.
nous pas fait bac. Nous arrivé dans 300 presque 300, nous pas fait bac à soir. Let's go. Coronavirus lié, tout le monde là encouragé guys, branchez sur téléphone ou branchez dans laptop ou bien dans tablette ou à soir. Partager moi j'ai 33 moun, m'pa commencer parce que ça m'va dire là, c'est bagage qui important pour examen Clex. Partager, n'a fait éducation là, éducation n'a fait. Et m'vin bon bagage qui important là, ou même qui va prendre examen en moi ça, ou même qui pour prendre examen l'autre mois. Bon bagage m'va dire là cap ido. Guys, please. Si on pour en façon pour on ou même t'aido dans live moi ou t'ai gien bagage m'te dit t'aido. L'offre fin passe examen même si ou pas de vin dans review non même encouragement te dire at least come on please guys be honest say thank you parce que ou te joué non bagay m'te edo m'gon moun ki rele la li di m'lune wè de m'an pire gire sou m'a fè la m'ka fè ou pi bien that was good ok let's go nou pal parle aswe ya sou preeclampsia eclampsia and hepla se h H-E-L-L-P HEP. Ça c'est troisième complication qui est toujours comparée aux trois ça. M'gen pour me parler de l'autre complication pour nos hobby par exemple placenta previa placenta abortion. M'gen pour me parler de ça, mais pas gen tout le temps devant pour me parler de toutes complications à soi. Mais gen bagage qui vient dans tête m'dit OK, yo rien bagage comme ça oui. Parler de lui non fait étudiant comprendre thème ça qui technique pour comprendre ni à qui stratégie pour comprendre ni gaz get ready m'a commencé 8h15 moi vle brancher m'pa les pièces moun trop pressé c'est comme si c'est non classe ouyé prend plumou prend caillou rete branché suis ça m'va dire ou ap joine non bagaille pour examen là let's go gars et puis après la place s'il vous plaît gaz ou même qui gè classe demain si Dieu veut live avec moi samedi a. Guys, for those of you who have class with me tomorrow morning at 10, which is Saturday group, call me before. You got to make your payment. You got to call me before your class tomorrow. Anybody who wants, guys, to register, ou vle enregistrer, ou vle participer dans class luné, ka fè live yo via Zoom yo, live, kote ki m'a parlé, j'ai m'a parlé avoir un petit, j'ai participé ou avoir une question. Et au carré, les moins dans 561-319-4660 pour enregistrer. M'a besoin nom complet, m'a besoin email ou et puis m'a besoin qui state courrier si c'est pour LPN si c'est pour AN. Automatiquement ou bien vous voyez information ça moi ou fait paiement ou bien Cash App ou bien Zelle ou voyez paiement ban moi même enregistre m'a voyez code là-bas pour capable bien accès pour suivre classe moi pendant ce temps que m'a fait avec plusieurs autres étudiants. Make sure guys même qui dans groupe de meilleurs pour aller m'apprendre là-bas pour faire paiement, voyez paiement ban moi et puis automatiquement sous quand tu étudiant déjà. Juste fait paiement parce que si pas qu'on fait paiement ou pas gain accès avec la salle demain matin si Dieu veut à 10h. Merci guys encore. Nous commencer à partager la vibe, moi veux chaque fois partager la vibe ça soya. Nous voulons monter avec une grande quantité de monde à soya. Nous parler de un thème qui important qui c'est hobby, en pile monde pas aimer hobby, en pile monde pas aimer hobby, yo pas aimer hobby. OK? So nous parler de hobby à soya guys. Let's get ready guys. We're going to talk about OB tonight. Okay? Guys, partagez, n'a parlé, c'est NCLEX review, c'est motivation, c'est n'a parlé de thème qui est important, n'a pas parlé de éclampsia, n'a pas parlé de pré-éclampsia, n'a pas parlé de help disease guys. C'est complications que vous jouez dans pregnancy, n'a pas parlé de yo. Get ready, partagez la vla. Donc il y a 43 multiplié par 10 moun. Ça veut dire chaque moun qui en bas là partager la 10 moun, partager la 15 moun, partager la 20 moun pour nous gain moun pour nous capable expliquer ça. Nous pas le reprendre encore. Nous voulons chaque moun rester branché. Ou même qui pas gain patience guys, OK. NCLEX mandé même NCLEX pour passer examen NCLEX mandé pour focus, pour gain patience, pour gain discipline. Accept. Alors les dim koto guys et moi pas mettre paiement en bas live là guys. Ou après les 561 et Elusma 319-4660 après live là. N'importe qui besoin d'information pour enregistrer pour classe live ou après les moins dans numéro moins après live là. 561-319-4660. Et motif qui me fait live là à soir, c'est pour moun qui gagne pour enregistrer pour demain samedi. Et m'a fait live là pour me presser. Sous presser, ok. Moi fait live là juste pour m'encourager.
et communauté haïtienne là capable préparer examen LPN avec AM et puis tout pour moi-même tout pour me gagner une quantité de monde pour moi-même capable encourager pour moi gagner étudiant pour me teach parce que si pour me teach pour me gagner étudiant donc laisse me faire là ça c'est pour me capable encourager reler m'après là là enregistrer et ou même qui pas de jambe là pour capable connaître que on Nclex review en créole guys. Ok guys, si ustedes hablan español, yo les quiero decir también, yo hago el repaso en su propio idioma español. En español, no tenga ninguna duda, ustedes pueden llamarme al este número 561-319-4660, guys. Ustedes pueden llamarme después del live si necesitan más información para saber cómo tomar el examen y también cómo tomar un repaso. Y con muchas estrategias, con muchas técnicas. Guys, llámame. Yo hago también el repaso en su idioma, ¿ok? So, no solamente en creol, yo lo hago en creol el live, pero yo hablo español para enseñarle a tomar este examen, guys. Me pueden llamar después del live si necesitan más información. Gracias, gracias a todos por compartir el live. Gracias a todos los amigos, familia, todo el mundo, guys. Gracias por compartir el live de Luiné NCLEX review. Gracias. Ok, guys. Après la vlog, il guys, if you need that, I'm gonna be doing my live in English, guys. If you want a review in Creole, I'm doing my live in Creole. In English, call me after the live. I can't do the live in English only, guys. English is not my language. This is Creole is my language. Okay, so I'm doing it only in English. Now, if you want a class, you want a review, I'm gonna be doing it in English for you. If you need information, call me. Call me at 561-319-4660. Okay, now if you don't understand, I'm gonna say something, I'm gonna explain the topic, the facts for NCLEX in Creole. I'm gonna say something in English, but it's gonna be in Creole. I'm sorry, guys. Okay, guys, qui côté noyé? Okay, nous désir, nous jersey représente. Okay, thank you, guys. Share the live. Nous presque arrivé à 50, nous allons commencer 8h20. 8h21, guys, nous allons commencer. On partager. Listen, pour commencer la vlog, ma fait hobby, il y a une question toujours dans hobby qui c'est position. Attendez, ça m'a dit bien. Ou préparer un examen NCLEX, premièrement, on pas doué apprécier, parce qu'il y a du 60 là pour apprécier. Parce qu'il y a une lumière trop. Ok, guys. Examen mandé pour gain principe. OK. Examen mandé pour gain principe. Examen mandé pour focus. Examen mandé pour balle priorité. Ou pas capable pour examen tant pour ou pas pour examen dans mois ça ou besoin review dans mois. Non, review pas fait dans mois guys. Ou besoin prendre sang pour préparer examen hein. Ou besoin focus leur fait question, ou besoin comprendre mot clé qui dans question hein? Et pour besoin comprendre exactement qui genre de questions que pose. L'aime que l'expose aux questions, t'as des pistes à me dire là, oui. L'aime que l'expose aux questions d'examen, questions, les capables sont négatives, je dis ça encore, c'est même le dernier de dire. Gaz, les capables sont négatives, question ou bien positive question. L'aime que l'expose aux questions, premier bagage pour faire en tant qu'étudiant, t'as des bien, moi je suis capable de prendre l'examen là. C'est pour les questions, pour est-ce que question, yo mando là scénario qui au bas là est-ce que son scénario leur pose question à la fin scénario est-ce que son bagage négatif qui au mando laissons négatif question yo pral dou what is your concern what should you question what is the further teaching what is further education what is further assessment gars depuis nous further teaching further assessment further education what is your concern what should you question what is not depuis nous do not et ça fait nine clicks for li. En pile faut faire l'examen c'est parce qu'on parle pas parce qu'on pas comprendre. Parfois pour que sur examen on comprend une question ou comprend topic là ou pas jamais passer. Il y a un bagage qui manque. Je voulais asseoir avant de commencer thème là pour me faire comprendre qui ça qui positif qui ça qui négatif question là. OK gars. Listen. L'application. Guys, if you don't understand Creole, I'm sorry, I'm doing the live only in Creole and some English, guys. Then if you need a review, yes, call me at 561-319-4660 after the live, please.
I'm gonna be doing it in Creole. I'm sorry. Okay, I'm trying to help the Haitian community, and then that's what I'm gonna be doing. Okay, I'm sorry. Listen, guys. Depuis c'est un négatif question yo mando, Winnie, you gotta make sure you with the question first, because sometimes you just with the question. Oh my God. Okay, d'accord. No, NCLEX is not, guys. Please. Leur application relie question minimum 3 fois jusqu'à ce qu'on envoie une réponse là. The very first time when you read the question, guys, vous identifiez mot clé, the keyword, you identify the keyword, guys. Keyword, c'est comme si vous allez do early, vous allez do late, acute, advanced, major, minor, ok? Vous allez do highest priority, lowest priority, least priority, most. Gars, chaque bagage ça vous voulez dire un bagage pour examen, clic s'il vous plaît. L'application, gardez pour essayer de faire what is your further teaching, what is your first nursing action. Gars, depuis que vous faites de teaching, vous faites concern, vous faites question, vous faites further education, further assessment, vous faites what is not appropriate, what is your. Gars, depuis que vous faites not appropriate, further teaching, vous commencez à prendre examen, attendez bien. Réponse soit principale ou négative, answer. Stratégie, fait stratégie avant d'entrer dans le thème. Whenever they ask you a question, guys, you gotta pay attention. You gotta read the question. Once you read the question, identify if the question is negative. C'est stratégie pour répondre à question, quel que soit examen ou après les États-Unis, you guys. Once you read the question, vous finissez la question, vous demandez est-ce que c'est une negative question ou si c'est une positive question. Once it's a negative question, the answer, guys, li pa lòt bagay la gòn negative answer ou bien answer wa pran la wrong. You're gonna find the wrong answer, the negative answer, the bad answer, the answer that's not good. Et parce ki pa bon apran, sa ki pa gen sens la, sa ki negative la wa pran, guys. Lè ou pose une question avant wal kouri vwe la li ba en klèks. No, stop there. Take your time. Now, for positive question, you're gonna read the question. Once you read the question, listen to that. Once you read the question, leur fin li question qui positive là, ou pas pour un bagay négatif là. You pas do not appropriate. No. You have to do what is the most appropriate. What is the best nursing action? What is your first nursing action? What is the most accurate? What is the first diagnosis? You have to do what is your what's your teaching? What ki teaching doit provide patient? Ki education doit bali? Depuis yo dou bagay sa yo, nan réponse ou prend la facile pour éliminer parce que nan réponse ya bo 4 réponse ya ba ou ap jwenn yon ki gon négative la dan. On négativité, yo réponse négative la dan. Ou laisse ça ou même, premier ça pour faire, envoie vos questions aller, envoie répondre question, éliminer. Ou ap éliminer 2 options. Mwen di lo nan 4 options yo ba wa gen yon la dan ou ki pa bon du tout, yo rele dumb answer, ou ap jwenn yon answer guys ki négatif. Ou ap elimine bien vite réponse qu'on va prendre, lè ou pose un positive question, réponse ou ap voye ba monsieur NCLEX supposé positive answer. Pour supposé good answer. Li supposé réponse qui droit là. Réponse qui correct. Pas prendre bagay ki négatif. Même lo wè question. Yo konn ba yon bagay négatif et puis bagay négatif la yo t'a mentionné un job qui gen sa défait et puis nan bagay la yo mentionné un bagay négatif. Yo mentionné un bagay pas sans dire qui négatif qui pas fait sens, un bagay qui sans sens pas sans dire qui l'a fait. Non guys, si son positive question yo mande dans examen, hein, cherchez côté qui gagne positive answer please. Moi prendre encore. Lè ou pose question dans examen, pay attention to the sex name. Pay attention to si le masculin, si le féminin. Ouais, tout bagarre de connait pour examen. Stratégie. Ou besoin connait si c'est un est-ce que c'est mother? Est-ce que tu as parlé de mother? Et ben est-ce que tu as parlé de father? Est-ce que tu as parlé de son ou bien daughter? Guys, don't mix them. Pas mélanger yo. Si y a parlé de mother, restez avec réponse mother. Si y a parlé de client, restez avec client. Si y a parlé de father, restez avec father dans réponse là. Si y a parlé de son, restez avec son. Si y a parlé de daughter, restez avec daughter dans réponse là, guys. This is how ou positionner tout ou dire NCLEX now I got it. C'est ce qu'on fait.
m'a répondre question yo and then m'pa pay attention, then I'm gonna answer the question like that. No, do not answer question like that, guys. You have to recognize est-ce que question positive, est-ce que question li négative, guys. This is how you answer question in English. This is how you answer question in English, guys. Bon, premier partie toujours. Now, lo a répondre question, gen question qu'on wè question et yo pose question pa wè ça pour répondre nan question. Guys, with the question, réponse ki bon, y a bò plus détail là-dedans, lo pa konn question surtout, ou a gen plus détail nan réponse ki bon, more details, guys. More details for the good answer. Whenever you don't know the question, don't get anxious. Oh my God, what I'm gonna be doing, guys? So listen, pay attention to the answer, guys. Answer qui correct là le plus souvent, most of the time. Once you do, guys, depuis ou par contre question, listen to that. Pay attention to the answer ou bah ou qui give more details là. Most of the time, they capable answer, guys. Pay attention. Les cas plus long, là bien plus détail. La bien patient là-dedans parce que tu mentionné patient dans la question hein? Et puis juste pour qu'à diminuer anxiety là guys. OK, so on fait tout le temps sa bosse technique qui gens pour répondre question. So far, always with the question several times, minimum 3 times with the question guys, please. Now, you know ba ki remet ba un examen c'est complication. Ah, guys, moi live mon après des relais moi. Come on. OK. Listen, guys. Whenever they give you a question and obi, rete nan obi. Yè gen la meton réponse ki pa gen rapport a obi. M'a parlé de obi là, m'a parlé de obi. Lè ou bo question sou obi ou bien pid ou bien obi ou bien pid, guys, please rete nan obi. Sorry. Mon appel de relais, moi, j'ai un contrôle ça là. OK. Listen, guys. Whenever they give you a question on OB, réponse quoi by la fol gen rapport avec OB. Tendez bien. Si vous posez une question sur site, réponse ou doit prendre aussi poser gen rapport avec site. Parfois, mélanger réponse. Listen. You got to pay attention, guys, when they ask you the question. Because sometimes you know the content ou répondre question mal. C'est pour focus dans ça au mando là, c'est lui pour répondre. Let's talk about pre-eclampsia. Pre-eclampsia. What is pre-eclampsia? Can somebody tell me what is pre-eclampsia? Qu'est-ce qui pre-eclampsia? What's going on? Là, on pre-eclampsia. Là, parle de pre-eclampsia. What is the problem? What happened? Là, on a pre-eclampsia. Ça veut dire pre-eclampsia. On a les noms, guys. Pour nous commencer, on commence à 8h32 pour nous finir. Qui ça qui pré-éclampsie pour Enclex? T'as oublié, nous parlons pas de physiologie, nous parlons d'anatomie. Enclex, c'est tout bas ça pour vous, mais c'est qu'on compte là. Ok, Yudlin Pierre dit hypertension. Ok, good job, it's hypertension. Moi, je voulais pour nous relier, terminant pour nous dire exactement qui ça qui pré-éclampsie. Let's go, guys, let's go. Come on, guys. Qui ça qui pré-éclampsia? What is pré-éclampsia? Complication dans l'accouchement? Yes. Ok. Noël? Yes. That's complication dans l'accouchement? Yes. Seizure during pregnancy? Ok. Tout ça dit là, net important. Nous prenons râler, nous prenons moutrou exactement what is that. Let's go. Keep going. I need more answers. What is pré? I say pré. Qui ça qui pré-éclampsia? Et lui m'a dit fluide envers l'autre. OK. Tout ça nous dit là, nous allons mélanger tout pour nous former, pour nous créer, pour nous expliquer qu'on tête là après. On a les gars. I need more answers. Come on, participe. What is pré-éclampsia? Qui ça qui pré-éclampsie? Qui ça lié côté joigni ça lié? On a les étudiants ici. Let's go guys. What is pre-eclampsia? Qui est-ce qui dit là? Fluid overload. Mais c'est plus pour participer. Let's go, guys. Pre-eclampsia, what is that? Guys, I need more people tonight. Let's go. Share the love. Keep sharing the love, guys. Guys, listen. Tout ça nous dit là, bon, pre-eclampsia, ou bien pre-eclampsia, guys, c'est un pregnancy complication. Depuis le jour pre-eclampsia,
It is a complication, guys. C'est une complication, guys, de caractériser. That's it. De caractériser parce qu'on va en série de symptômes qui propre à lui-même. Depuis au dupuis, éclampsia, attendez bien, oui. Dans le prix éclampsia, guys, premier bagage pour veiller, c'est blood pressure. Yes, 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 Yasmin. Guys, premier bagage pour payer attention whenever they mention prix éclampsia and NCLEX is the blood pressure. Guys, what happened to the blood pressure? Are you gonna have hypotension or hypertension with preeclampsia? Can somebody help me? Ça passe. Blood pressure a un problème. Mon nom bien propre, il commence à vouloir pour nous connaître qui pour me donner des caractéristiques, une caractéristique pour connaître ces symptômes qui commencent à varier et pour gagner. Mon ça commence à des complications ça à partir de 20 semaines, 20 weeks of pregnancy. Remember, after 20 weeks, remember that we examine. Depuis que nous passons 25 years old, 24 weeks after, blah, blah, blah. Depuis que nous 20 weeks, 20 weeks, 21, 22, depuis que nous 20 weeks and more, ou capable de commencer à gagner complications. Good job, Ella. Hypertension, yes. This is hypertension, yes. Yes, ok. Ok, guys, listen. Problème ça aujourd'hui à partir de 20 semaines ou commencez à gagner problème dans l'enceinte là. Là commencez à garder ou commencez à gagner ou commencez à gagner headache. Et on point ou commencez à gagner blood pressure monter ou vinn gagner pressure ou vinn gagner blood pressure qui very very high, listen to that. Blood pressure commence à monter. Moun sa non seulement la gagner blood pressure gaz, gagner l'autre système qui capable gagner problème, gagner l'autre organe dans système corps moun sa pas gagner problème, liver pas gagner problème. Kidney pas le problème. Mais moi prendre encore. Depuis yo bon pré-éclampsie, c'est pour maintenant être tout premier pour garder pour reconnaître c'est une complication dans pregnancy qui commence à partir de 20 semaines, 20 weeks guys. Therefore, les caractérisé par une série de symptômes qui propre avec qui c'est hypertension, high blood pressure guys. Therefore, ou gen l'autre organe qui pas le gars qui pas le problème, ou gen l'autre organe qui pas attaquer, c'est ça qui fait l'organe pré-éclampsie faut prendre pile mesure de précaution avec. Passe avec moun si enceinte ça. Ou pas commencer à gagner ça qui relé, liver ou gagne problème, qui nous pral gagne problème. So therefore, pour comme si a gaz, attendez bien, oui, pour être si a son malade, c'est une complication qui vraiment sérieux. Guys, it's really, really, really complicated, it's really serious. This complication, it's très, très sérieux. Le pose question c'est pour pay attention to the blood pressure. Pay attention to the age of the fetus. Est-ce qu'il combien semaines mon a gagné? Combien semaines il gagné et puis pay attention avec caractéristique c'est blood pressure et puis nous pas venir avec l'autre caractéristique pour. Après blood pressure, can somebody tell me what happened? Là mon a gagné high blood pressure, what happened? What is? Qui ça qui caractéristique qui parle causer qui parle dire en tant que nurse patient venir ou connaît patient ça il capable gagner un patient qui vient il y a 22 semaines ou 23 semaines il comme il venir et qui ça parle faut dire patient ça à part des blood pressure qui high qui ça parle dire encore les gars qui ça qui caractéristique encore qui parle dire yes mon ça gagne pré-éclampsie il gagne risque pour pré-éclampsie dans les dents ça capable dire mon ça gagne risque pour pré-éclampsie let's go guys donc n'a pas pré-éclampsie guys. Share de l'argent, share de la keep sharing de la please. Nous gagnons pour comme ça. Headache, yes. Alexis dit headache. What else? Nous besoin d'un symptôme là. Gaz, d'un problème là qui est important pour comme ça. Nous besoin pour qui est cap diminuer là. Mon besoin bon bagage qui là qui pour elle clex et puis elle pour elle dans clex. Gagnon l'autre symptôme. Il y a un autre problème là depuis mon gain NCLEX même by lui. Yeah, you may have vomiting, headache, yeah. But après the high blood pressure, very high blood pressure, il y a un autre problème là encore gars. Swelling face, okay. Seizure, okay. N'a bien sous seizure. Okay, headache, seizure. Il y a un autre bagarre par contre mon tiro 10000 là. Depuis double blood pressure, il tout paraît lui-même. Edema of the leg, yes. Edema. Proté, est-ce que mon n'a pas écrit bien pour tout nous ya gaz m'ba c'est protéine nous ya et au monde ça avec gaz listen ou a gagné protéine nous ya gaz depuis on pose question sur pré-éclampsie deux c'est comme ça vous venez examen high blood pressure protéine nous ya pas chambre babali dans examen il y a blood vision on a tout ça on dit là
protéines, yes, blanc. Ou a des problèmes au niveau des protéines et puis very high blood pressure. Après ça, tout ça, nous dit là important. Ou a bien idée, ma. Tendez bien, oui, premier débat que je voulais pour nous focuser, high blood pressure, protéines, ou ya, guys, remember that. You're gonna have, it's not, yes, you're gonna have this problem, but the very first two is high blood pressure and protein, ou ya, guys, you're remember, na examen, please. Pay attention. You're gonna have edema, you're gonna have, if the patient have edema, if the patient have protein, ou ya, high blood pressure, what about the weight? Comment weight pour napier? Non, les kin sa ma idemi, the weight. L'on moun qui a un problème pour l'économie, ça comment weight la pied? Soit in the feet, ok? Do, ok. Weight gain, weight loss, what about the weight? It's easy questions, easy, weight, the weight, poids moun. Non, les gars. Weight loss, weight gain, yes, yeah, it's not protein, nous, ya. Les affaires de mentionner, il y a deux organes qui ont un problème, qui c'est liver, à kidney, tu toujours. Yes, et pour y attaquer, gain weight, good job là, gain weight. Listen guys, caractéristiques sont du là, tout c'est comme ça, c'est eux même qui plus important que toujours bail. Yes, mon n'avons pas l'autre problème, but pay attention to those characteristics, guys, signs, symptoms. Listen to that. Les gens qui, puis comme ça, là bien si j'ai là bien dima, là bien tout ça, même bavler pour oublier. High blood pressure ya, et puis m'pa avle oublier protein ou ya. Pa avle oublier ça, yes. Pay attention to that, they love it. You remi bali na examen, et ça fait m'ouvrir sous lit comme ça. Listen guys, now, liver a un problème qui dit m'on a pas de problème, a vrai? Ou a un liver dysfunction, souligner liver dysfunction, they love that one. Liver dysfunction. Kidney dysfunction. Ou pas de problème au niveau liver, ou pas de problème au niveau kidney en tout. L'autre bagarre a besoin, tout ça, je dis là, swelling. Guys, ou a bien shortness of breath, because, qu'est-ce qui a dit pour qui ça, ou a bien shortness of breath là? Yo pas parler d'un problème poumon, etc. Why the patient gonna have shortness of breath? That's a question right there. Why in preeclampsia, they present shortness of breath? Why? What is the reason why? Déprisé qui pour qui ça y vient gagner shortness of breath là? Why? Can somebody tell me why? Based on tout ça, nous sommes mentionnés là, c'est raison, mais bon raison qui allait là qui attaque un autre organe à cause de shortness of breath là. Fluid overload. Bravo, Gilles bon. Due to the fluid overload in the lung, en poumon, hein? Parce que ça, il va développer l'effet qui va se faire trop édéma, il va gagner édème trop. Il va commencer à présenter ça qui est le shortness of breath. By the way, parce que ça va become your priority patient for you. Yes. Yes. So therefore, ou va get what glow parce que ça va développer ça qui est le shortness of breath, guys. Good job. Yes. Fluid overload. Due to the fluid overload. Yeah. Be careful with that one, allez. Pour que ça ait le shortness of breath là, what's going on? J'en ai mentionné, mon a des problèmes de vision. Gaz, mais ça pour nous souvenir pour examen point. Fluid overload, dans l'on, dans poumon, la bien vision problème. Oh, vision problème, c'est quoi, oui? Fluid overload, c'est quoi, oui? Hypertension, high blood pressure, hypertension, c'est important. Protéines, important pour ça, ta. Les bon, c'est le code d'appli, c'est important. Oui, même date pour examen pour moi. Remember this one, guys. Ok? L'autre de monde qui a problème ça yo, guys, problème ça moun sa capable gen ça qui relé sodium ni pas vert, pas high parce qu'il gen trop fluide. Remember that? Il gen fluide, la gen sodium, il pas gen problème au niveau sodium ni. So therefore moun sa cap même rivé dans ça qui relé placenta abruption là. Yo remen ba une question, le bon placenta abruption, yo demande qui risk factor moun qui a placenta abruption. On moun qui a placenta abruption risk factor moun sa toujours pré-éclampsie, guys. Pré-éclampsia. Ok, we remember that. Now, can somebody me, what is the very first, before avant faire chirurgie ou bien faire ça, what is the first nursing action, implementation, treatment, qui sont de faire ou pas ça? You commence à get tous symptômes, ou remarque pas ça, pré-éclampsia, en allez. What do you do? What's the first nursing action, qui sont de faire avant? What should you do? Do you give treatment do you, ou aller faire chirurgie comme ça ou bien what do you do first? Parce que avant d'entrer dans chirurgie ou by medication treatment guys, you gotta do something. What do you do first? Simple question. What do you do first? Qu'est-ce qu'on va répondre? Qui sort fait avant?
Guys, I have 70 some people, guys. Please share the live. You share it. And yon zan mou ap jwen ni. Mem lò pa nan nursing. On zan mou ki nan nursing ki beson moun. Teach li an kriol pou fè review pou vwe la pou examen. Pou li kapas examen ap jwen live la. An ali, guys. On moun ki gen pou ekante anou bay symptom. Ki sa dwe fè kom nes avan. Ki sa dwe fè avan. An ali. Gen 2-3, gen 2 bagay ap li sou ka fè anvan. An ali. Bleeding precaution, ok. Decrease hypertension. No, it's not decrease hypertension first. What do you do first? Ki sa fè pou bas nan anvan? Calling, ok. Listen guys, let's go, let's go. Oxygen, restriction, sodium intake. Ok. Vital sign. Sharing the vital sign. Lower the fluid. On passe qui vini comme ça, comment vie, guys? Passe en vini, ou besoin des patients. Les patients qui ont des problèmes, ça, ou commencent des problèmes, ça, ou symptômes, passe en fait vini, ou commencent ou tous symptômes, ça, ou qui soit fait en vent, ou ça. Grand monde qui dit stabiliser, bravo, Daisy. Ou doit stabiliser patient, by doing what? Guys, the very first thing, par quoi, moun qui play pour question, hein? Les patients vini, parce que tu as des problèmes, parce que tu as des patients là, vous devez mettre les patients dans bed rest. The very first thing you're gonna do for this patient, bed rest, guys. Bed rest. Remember that for examen. Then, ou pas faire l'autre bagaille, ou pas faire bad outside, ou pas faire tout l'autre bagaille après. Yes, ou pas faire l'autre bagaille après, ou pas faire médicament après. Bed rest, yes. Will be gentil, bed rest. Bed rest. West, remember that. The first nursing action, fait, c'est bed rest. Then, you can do, lo mette moun nan bed rest. Can somebody tell me what is the position? Next question. What is the correct position for this patient? Do you put it in low fowler position, high fowler position? Do you put it, I don't know. Next question, me by question sa nan examen. On passe à dini, ou remarque quel tout cet homme sa ou ki position vous mettez. So you have to do first. What should you do first? What? Qu'est-ce qu'il dit là? Katia, good job, Katia. Good job, Jenny. Left side, guys. You always put this patient on left side. Tandis ça me dit, soit fait examen, on part au left side, ou elle latéral, ça la prend. Parce qu'en plus, toi, nous étions esclaves, left side. Et si on do latéral, si on do latéral, n'importe position qui latéral prend, soit pas venir left side là dans l'examen, s'il vous plaît. Not say my follow moi. C'est always left side. Left side ou bien latéral. It doesn't have to be left. Ok, latéral, moi dis. Souligner ça pour examen. Râler plus mou, souligner pour moi. The very first thing you do, you put the patient on bed rest, then you position the patient on left side or lateral side. Ok, remember that. So, après ça, on va commencer avec l'autre process pour faire vado sign de temps en temps pour checker vado sign patient pour ouais et puis donc on va commencer avec médicament yo on va commencer avec procédure yo remember that. Yeah, let's start with symbolism. Yes guys, gyo médicament nan NCLEX yo remet bali en pile là moun gen pou comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit médicament ça? Un médicament yo toujours bali dans examen. Chaque étudiant qui passe examen yo toujours bali. On allez, qu'est-ce qu'a dit? What is the most important medication they always give in pre-eclampsia? Depuis mon agent pre-eclampsia, on toujours elle n'examen allez. What is that? On médicament est toujours balé n'examen. Toujours balé n'examen. On allez non Elisma Edmond. What is the most important medication you pas jamais arrêté pour balé n'examen? Clex est toujours balé. Il va parler sur l'asoya. N'a potassium misland. Pabli, ça nous dit là, nous dit mon grand paquet de symptômes là, nous mentionnons un bon symptôme, nous dit edema, nous dit hypertension, nous dit oxygène, nous dit côté nous y a. But pour une raison pour l'autre, grand parce que ça don bagarre ou pas voulu pour le gagner là. Ou pas voulu pour arriver dans niveau ça, les médicaments ça depuis ou pas servi ni ou elle grand. T'es symptômes là, il y a toujours bali pour éviter symptômes ça. En aller. Magnesium sulfate. Good job Wilbert. Soulignez le point gars, soulignez. Magnesium sulfate always. Yo toujours bali dans examen, Clex.
you always give magnesium sulfate. Bon, m'ta pas poser pour qui ça a utilisé là, mais Christian a dit phosphate. Yes. What is the function of it? OK. Ou dit phosphate. What is the function of magnesium? Let's go guys. Ou ba on magnesium pour éviter pour font bagaille là, pas vrai? Qui fonction magnesium? Yo konn ba question comme ça en examen. Yo dou Nunes is asking you why you using magnesium in this patient. And now you know guys, Yasmin, why do you guys give magnesium to this patient, to a preeclampsia patient? Why? Why? Let's go guys, let's go. We're doing question right now. Why do you give magnesium to this patient? Why? Pour qui ça ou by magnesium là? Et après tout magnesium là, net regard, to lower sodium? No. Not for lower sodium guys. Go moun so dit là. Bravo Jennifer Joseph, you give potassium only. Magnesium sulfate pour prevent seizure, guys. To prevent seizure. Remember that pour examen. Good job. Pour prevent seizure, guys. Listen. Now, l'on baga, yon baga ki ou besoin konnen pour examen, nou rete nan kat nan magnesium, l'on baga magnesium trop, tande, question bien. The magnesium, you give too much magnesium. You give too much magnesium, Edmond. Islam. Now, passant, ou ap evite sujet. Now, you giving too much. Or the doctor is giving too much. Now, what is the number one drug for NCLEX you should give to avoid this problem? It's a lot of magnesium. And you want to avoid this problem. You really sa, moun sa vinante nan toxicity, ba ve? Or overdose. Now, what should you give? What should you give? Let's go. Now, you know, girl, you give too much magnesium. Now, you want to stop that. You want to avoid the problem. What medication, number one medication, should you give? NCLEX question. NCLEX question. You giving a patient with preeclampsia magnesium. The magnesium is too much. Now, you don't want toxicity of magnesium, right? So, you have to give another drug pour comparer, pour contrer, carré avec magnesium sulfate. What is the drug name? And now, the NCLEX question. Qui drug would we buy? Magnesium gluconate? No. No, blah. Ou presque la rue, blah. Unfortunately, j'ai toujours. You really say antidote, yeah. The antidote. What is the name of the antidote, Jalexi? What is the name of the antidote you give to a patient receiving magnesium sulfate? On passe à prendre magnesium sulfate. Qui antidote médicament ça a relé, comment relé, qui pour balia, comment relé. Now you guys, NCLEX question, let's go. Nakin, okay. Non, on dit Nakin, bam, non, même, je vais non, pour dire non. What is the other name, the name? Don't tell me Nakin, guys, just tell me the name they always give in NCLEX. Let's go. They always give them. Bako wè yon moun ki zim. Gon moun ki te zil la. Guys, it's not digoxin. No, not digoxin. And I'm talking about magnesium sulfate. You give magnesium sulfate to a client. So what should you give this client? What? Magnesium sulfate. You give him magnesium sulfate to a client. So you want to help the client. Because the client, it's too much magnesium. Ki medikamon do we buy? Examen and NCLEX. What is the medication name should you give to help this client? What is it? Let's go. Let's go. I'm not talking about digoxin. I'm not talking about toxicity of digoxin, guys. Okay? N'importe qui branche, guys, n'a parlé de pré-éclampsia, n'a parlé de éclampsia, soya, n'a parlé de complications au bi. Bravo, Blanc. Blanc, t'es dit là, t'as l'air. You give calcium, Blanc, calcium gluconate. Good job. NCLEX question. Ou répondre aux questions là qui est important pour examen, guys. Ou répondre aux questions qui est important là. Yes. Calcium gluconate, guys. You gotta give calcium gluconate. Yes. Okay. Good job, Blanc. Qu'est-ce qui a pu répondre encore? Qu'est-ce qui a dit mon bagage là? Qu'est-ce qui a dit mon bagage là? Good job. Yes. Calcium gluconate. Yeah, Madi, yes. Guys, we're talking about pre-eclampsia. Moun ki fèt branche, n'a parlé de pre-eclampsia now. We're talking about pre-eclampsia, guys. We're talking about pre-eclampsia, yes. Calcium gluconate pou kapab divers problèmes, non? Parce que faut résoudre problème, non? Si pas sans overdose ou bien get trop magnesium, faut reverse the problem.
So you have to give calcium gluconate. Mon qui te dit naken, naken c'est un by the way guys, naken, c'est un antidote lié vraiment. Qui est-ce qui a dit antidote qui ça lié là? Bon, pendant on a tout mettre là, on te parler de lui. On t'a parlé de naken, N A R C A N. C'est un antidote pour qui médicament, là pour qui médicament, moi qu'est-ce qu'il a avec? Naken, N A R C A N. Gon mon qui te mettre pour nous capable résoudre problème là, n'allez. Un patient ou patient naken non, c'est un antidote là. So pour qui médicament là on apprend naken. Naken. What is the medication? Let's go. No. Yes, yeah, comme qui dit morphine, opioids. Yes, opioid. Good job, Julie. Good job, guys. Nous tout prendre un extra note parce que nous avons mentionné là nous tout prendre. Yes, opioid medication. Good guys. Whenever you overdose of one of those opioid medication, n'importe opioid medication là guys, it doesn't matter. N'importe opioid medication ou gain. En général opioid, les gars là n'importe sorti là, c'est opioid lié. Depuis c'est opioid lié, yes, you give Narcan. Good job. All right guys. Nous fini avec ça fait et treatment là. Après, on finit de passer au balion, yon magnésium. Qui l'autre médicament qui a besoin? Allez, non. Bien, on pise. Pas l'autre médicament qui a besoin de ça, allez. What about the blood pressure medication? Yes, you always give hypertensive medication to lower the blood, guys, pressure. Blood medication, yes. You give a blood pressure medication, remember that. You have to give the blood pressure medication to lower the blood pressure. Yes, yes, yes. Yes. You give a blood pressure medication. What else? What else you do? Guys, si toutefois vous faites tout problème ça yo, ou bien tout problème, ou quand même vous avez yon hypertensive, vous dites anti-hypertensive medication blog, après de mexofia, et puis ou bien vous avez yon, et ou kabal bien yon diazepam tout. Ok? Diazepam, which is the same category, diazepam, remember that. Loazepam, bravo. Loazepam, good job. Ou bien yon anti-hypertensive, ou bien loazepam tout. Ou bien yon diazepam gaz ou ballon pam medication pour calmer patient ça et pour éviter trop sujet dans patient ça. Listen guys, médicament ça yo m'a dit là yo tout ça nous la pensionner là mexofe yo yo rele yo tocolytique and clex question tocolytique yo attendez bien hein? De tocolytique gaz gon groupe yo remi ba la dans examen m'bal bon p pour connait pour examen tocolytique yo rele yo tocolytique parce que yo gen fonction là pour yo stop pour yo prevent. Like, si j'ai, for example, ou gen mexofe, qui c'est premier groupe là où j'en mexofe, gaz ou gen terbutaline. Yore mi by terbutaline nan. De terbutaline, gaz li gen même fonction. Terbutaline. Yo considéré nan list tocolytic medication. Yo même pe dat. Tocolytic medication ou gen mexofe, ou gen terbutaline, ou gen utopar. Like Y-U-T-O-P-A-R. Utopar. Ou gen, ou bien boitin. Mexofe ou bien boitin, remember that. Yes, yes. Remember that, guys. Tocolytic medication. Remember tocolytic medication. Yon by 3-4 la. Ok? Listen to that. Guys, side effect medicament sa yo yon remi bali in examen. What are the side effects of those medication, tocolytic en general? Mexofe ya. Depuis yon by mexofe, ou même qui étudie en SIN, gagne un bagage pour veiller. Gagne un série de signes et symptômes pour toujours veiller. Ou même qui étudie, ou compte ça bien. Ou même qui fait hobby avec médicament hobby. Gaz, l'homme on passe en hobby. On passe en hobby, mec sofe. Ou bien terbutaline. Depuis que vous avez un tocolytique, gagne un série de signes et symptômes pour toujours jouer dans l'examen. Ben, moi, deux side effects. Moi, qu'est-ce qu'il y a? Deux side effects, mec sofe kabay. On a les gaz. Yes, tout ça est net gaz considéré depuis une longue liste et tocolytique. Yes. Bam, deux ça d'effet. Donc qui dit H3 pyramidal, yes. On a les gaz. Qu'est-ce qu'a bam deux ça d'effet qui ont un examen me dit deux. You ont mis by deux ça un examen. You ont mis by un examen deux ça m'a dit là. Tachycardia, bam, mais c'est des gars deux là qui toujours by un examen. On a les jeunes qui deux lots qui ont mis un examen, remis bas. Et moi le bon qui va alors de connaître pour yoto. Là au bol. Let's go guys. Listen, guys, ça a fait pour vie. Là bas on passe un mec sauf comme c'est lui toujours remis bas.
Premier bagage pas ça gagne la gagne depressed respiration ou depressed respiratory ou respiratory depression. Respiratory depression non? Yeah, la gagne hypotension. Good job. Listen. Guys, yes, la gagne respiratory depression. Là sous tocolitique là. Yeah, yeah, nous parlons de ça. La gagne mais me voulais pour garder deux ça m'a dit. Respiratory depression and reflex, la deep tendon reflex, la gain decrease reflex. Ça me dit bien. Parce que la deep tendon reflex ou decrease reflex ou hyporeflexia. Hyporeflexia, depressed respiration, guys. This is about to exam. Deep tendon, where? Yeah, yeah, Judeline. La gagne deep tendon reflex which is hyporeflexia la gagne ça qui relie respiration hein, la low. Tandis ça m'a tout bien pour examen. Yo bon valeur respiratory gas la less than 12, listen to that, listen to that. De point less than 12 dans examen clex, there is a problem, there's a side effect. You got to do something. You got to do something. You stop the medication or call FDA provider. Remember that. De point bon reflex qui low ou bien légal à 0 ou bien 1. Liseyon problème toxicistique pour arriver, you have to call FK provider or you have to stop Mexofil. Remember that for NCLEX. Remember that. So therefore, on passe à prendre Mexofil qui commence à gagner deep west respiratory ou bien commence à gagner deep tendon reflex ou bien low reflex. Guys, attendez, ça va là. Non seulement parce que ça gagne low reflex, il qui on baga yore le hypostatic hypotension, yes, the blood pressure is gonna. Guys, it's going low. Low blood pressure for the hill. Hypotension, guys. Wap gen hypotension, wap gen urinary retention. Wap gen urinary retention or low urine output. Remember that. Can somebody? Wap gen low urine output. Kesi Kadim, what is the normal value for urine output? NCLEX student, let's go, guys. Nursing student. What is the normal value for urine output? Mon ap gen low urine output, c'est pas vrai? L'ap gen low urine output. Qui vale normal urine output la guys? Yo kon bay sa, yo bay sa do. Qui vale normal yon urine output? Let's go. Urine output. What is the normal value for urine output? Normal value for urine output. They love it. Normal value for you. 30 ml. 30 ml par qui ça? Non, faut préciser mieux de l'île. C'est 30 ml per hour. Guys, urine retention. La moun ap gen problème urinary retention ou bien la retain fluid ou bien urine. Est-ce que comment la pied là? Le retain urine, comment va le pied? What is the normal value if you retain water or fluid? When you retain water or fluid, comment va le pied? La 30 ml, la 35, la 30, la 24, la 25, comment la pied? Do you have low or do you have high? When you have urinary retention, guys. Let's go. Urinary retention. Okay, 30 ml, yes, 30 ml per hour. Yes, 30 ml per hour. Not 60, 30 ml per hour. Whenever you have urinary retention, guys, you're going to have low urine output. Low urine output, yes, not 40, low. It's gonna be low, guys, because you retain fluid less than 30. Yes, IT, yes. Guys, change urine output là pour examen, low. Change reflex là, la low, la égal à 0 ou bien 1. Et puis change pour examen, hein, le baou reflex avec respiration. Respiration à less than 12. Depuis respiration less than 12, mes amis, ou gen problème, you have to stop and call healthcare provider. Remember that examen, remember. Call healthcare provider if you have less urine output less than 30, you have low reflex, you have low respiration. Remember that examen, guys. So therefore, passe ça, si me fait tout ça, moi passe pas traité, you have to take the baby out. That's the other question. Guys, take the baby out, don't wait. Whenever you see the patient can having blood pressure or parce que commence gain blood pressure gain vision problem parce que commence gain protein ou fait test parce que protein ou ya parce que comment gaz depuis on fait bagage ça ou ba la blood pressure ou ba yon loazé pam ou ba li médicament ou mettez le mettre parce que toujours gain problème ça gaz listen that get the answer is get the baby out
You get the baby out, guys. That's it. That's it. Remember that. After you do everything, treatment, ou fait management pour patient, ou assess, ou fait valo ça, ou fait tout bagarre, ou bal traitement, ou bal médicament, yo. Guys, get the baby out avant patient ça arrive dans si gère dans mon, ou patient pas grave, ou pas compliqué dans mon. Ni la vie patient, ni la vie petit bébé en danger. You better get the answer. Whenever you give that it doesn't work, get the baby out. Guys, when you get the baby out, do you do vaginal birth or C-section? Let's go. C-section or you ask the mother to push the baby. What do you, what is it? Huh? Guys, you get the baby out. You get the baby out. Listen, guys. Leo pose une question ça. Ma parle yo de tout tocolytic, tant kou mexofet, butaline. Yo toujours by low respiration, yo toujours by low reflex, low urine output, right? Ou bien hypotension. Now you have to start. Bagay mwen vle pou konnen lò petit lò konnen medikaman sa yo non seulement kon side effect yo liye do kon side effect on lot medikaman ki yo rele narcotic n ta pale tale yo la which is you give Narcan lè li overdose Narcan yes cessation yeah good job guys cessation that's what you gotta do otherwise pas sa pou sis nan mon pas sa pou komplike net nan mon listen depi se medikaman ou wè ki se narcotic yo et tout y a bay mim side effect yo low blood pressure deep respiration ya bay reflex low ou tout konnen tocolytic yo ou tout konnen narcotic yo tout tocolytic narcotic même side effect pour examen remember that guys now tocolytic narcotic comme ça nous dire là c'est eux même c'est depuis être tocolytic dans examen ya bon side effect yo comme ça guys excepté heart rate là tachycardia remember that hypotension toujours marcher avec tachycardia ou NCLEX. Guys, depuis yo bo whenever you have any tocolytic medication guys like Mexofe, which is the side effect always gonna be the same. You're gonna have low blood pressure, you're gonna have tachycardia. Whenever you have low blood pressure, always you're gonna have heart rate high, guys. You always gonna have low reflex, low respiration, guys. Low respiratory. Always. Always, guys. Now, whenever they give you another drug, there are some other drug, guys. They pisse yo, même yo ba un examen, yo give même side effect. Et ça fait que des médicaments yo ba, yo gâte koné le médicament ba, même side effect là. Le même side effect de on opioid medication ou bien yon narcotic medication. On passe à gâte pour un par exemple, oxycodone. I know that. Low blood pressure, tachycardie, patient pas gain saturé, low reflex, low respiration, guys. I know that. Whenever they give you opioid medication like morphine, etc., the bio morphine na examen low, except que tachycardie pas gain, guys. Depuis au bon anesthetic medication yo tout tant de bien oui anesthetic medication opioid medication yo guys narcotic medication yo guys depuis au bas où yo gain même ça l'effet avec mexofe. Yo ba na obia même bagay la remember that for NCLEX guys this is everything you need to know for preeclampsia the side effect the treatment and then the symptom remember that for examen now yo ba eclampsia right eclampsia qui est ce qui a dit qui contre gain à eclampsia let's talk about it now nous gars pas fini eclampsia what happened with eclampsia now nous parler depuis eclampsia net puis eclampsia nous avons des caractéristiques principales pour l'éclampsia. On a les pour l'éclampsia. Now, loving me, ou fin faire pour l'éclampsia, ou éviter pour l'éclampsia, ou bien mon nom, les faire pour l'éclampsia, pour une raison pour l'autre. Les balles tomber dans notre étape qui est l'éclampsia. Éclampsia, guys. What is l'éclampsia, then? Qui symptôme que vous avez pour l'éclampsia? Qu'est-ce qu'il a dit qui symptôme? You will gain pour les mounan fait eclampsia. What is the sign symptom for eclampsia? This is the second complication ou capable jouen after 20 weeks of pregnancy. Tachycardia. Okay, guys, eclampsia. We're talking about eclampsia now. Seizure. Okay, go mounan ki di seizure. Ouais, mounan sa ki di seizure, good job.
Gars, si j'ai assez mots-clés qui sont importants, parce que dans le projet comme ça, on va battre pour éviter pour ne pas arriver dans le sujet. On va battre pour éviter pour ne pas arriver dans le sujet. So, therefore, éclampsia, caractéristique principale pour éclampsia, attendez bien, gars, ça m'a dit là. Là, on va question dans l'examen. Ou besoin contrôler pour qui est-ce pour prendre comme exactement qui caractéristique pré-éclampsia avec éclampsia. Éclampsia principalement la gain sige. Parce que quand après pour éclampsia ou éviter si je regarde pas mon mec sauf pour pas faire sujet. Attendez bien. Ou bal mec sauf pour priver sujet on te dit. Mon on pas quand arriver dans sujet là dans prière. Bon dans éclampsia caractéristique principale pour qu'on est pour examen en classe sujet. Sige, bravo Glory. C'est pré-éclampsia plus sige. In order to have a eclampsia patient, in order to have a eclampsia patient, you may have you should pour passer par pas pré-éclampsia avant. Okay. You can't have eclampsia without pré-éclampsia. Listen to that. You can't have eclampsia without having pré-éclampsia. Therefore, formula, l'organe éclampsia, éclampsia égale, c'est pré-éclampsia de gain avant, plus sige. Éclampsia éco, puis éclampsia plus sige. So, therefore, tout ces temps où tu gagnes dans pré-éclampsia, c'est eux-mêmes qui vont gagner plus sige. They love this question. All the signs and symptoms, guys, you have in pré-éclampsia, you're going to add it to sige. You're gonna add it to seizure. So I've gained pre-eclampsia égal, non, eclampsia égal pre-eclampsia ou te gen avant, hein? Plus seizure. That's it. Plus seizure. Eclampsia, eco, pre-eclampsia plus seizure. So une seizure pour moi. So therefore, yon moun ki gen eclampsia, guys, question yon konman den examen, eclampsia ou bien pre-eclampsia, nan ki ras ou jenni? What is the do you find it where do you find it most? African American, white, Caucasian ou bien Chinese, Latinos or Spanish? Where do you find most frequently, guys, eclampsia? Okay, so sa, this is NCLEX question. Where? Nan ki ras ko jwenn? African, good job, cutting African guys. Guys, the eclampsia is most frequent in African American. And complex question. Souligne, y a du monde en vinyle, il y a large vinyle, il y a problème. Ils sont black ou bien sont. Yes, yes. What else? Là, ma parle de risk factor, mon gars. Risk factor au cap causer mon ça gagner eclampsia. Yo ba li nan sata question. Bon, mon l'autre encore. After African American, which is the very first. What else? What else? You have African American. Let's go. We have like 5 of them, guys. You know me by that. Don't sata risk factor cap kozo gen eclampsia. What is the risk factors for eclampsia patient? Let's go. We have African American Islam. What else? One number one. If African American. What else? Let's go, guys. Where's the final term? Where's the final? We don't fail that by African American. Yes. Now, what is the other risk factor? What is the other risk factor? Moun ki te wese mpa langle, mpa langle pou ka patisipe mwen. What is the other risk factor, guys? Guys, an kontinye pataje la vla. Those of you guys who want me to speak English, I can't keep it in English because I'm doing the live in Creole. Please share the live, share the live. You have Haitian friends, you have friends who speak Creole. Gon moun ki zim la, high blood pressure. Yeah? High blood pressure ka cause. Ma parle de risk factor moun sa. Risk factor yo, se baga ki kapap kozo al vin genyen. Ma parle de symptom vreman, en realite. Ma parle de risk factor yo. Yeah, maladi ou bien risk factor. Over 40 years. Gon moun ki te dim, onde. Mba l'ranje l'bou, guys. Mba l'ranje sa ou pou biye pou ka konen pou examen. I want you guys to be aware of this question for NCLEX, ok? Multiple gestation. Pour éclampsia, what else? Listen, guys, moi manger pour nous. Good job, guys. Ou ap gen African American, ou ap gen young premier para. Yo rele le primary para ou bien premier para. PREMIPARA, premier para. Donc comme ça que le premier para, l'homme on a fait accoucher. Li gen risque, l'homme fait
dans premier petit trou ou gen risque pour gagner éclampsia ou lorsque noir ou gen risque pour gagner préclampsia pour gagner éclampsia l'or fait un pile ti moun tout ou gen risque ou pas fait ou première fois l'or fait ti moun ou gen risque l'or gen bande ti moun ou gen risque l'or gen diabetes monsieur m'a mentionné diabetes a yes diabetes guys whenever you have any disease qui compliqué qui mortel disease qui fatal disease yo ou ap gagner li bon risque pour gagner ta hypertension diabetes guys listen ou gagner ça qui relé moun sa yo on moun ki over gon moun ki poni la over 35 years old yes over 35 years old yes you at risk of eclampsia kidney problem diabetes problem blood pressure very high yes V, guys. Yes. Guys, listen. This is eclampsia, guys. This is eclampsia. You remember eclampsia? Pablie, eclampsia marché à 6 heures. 6 heures. Remember that. Depuis que vous avez eclampsia, c'est 6 heures pour chercher un examen. 6 heures. That's it. Now, listen. How do you treat? Same treatment. You give the treatment, you manage the baby bed rest, etc. You manage the problem, guys. Whenever you manage the sign symptom, the risk, the sign symptom, you put the patient on bed rest, C-section. You have to take the baby out. Yes, guys. Good job. Guys, very good. Okay, more than 35, younger than 70. Yes. Ou fait accoucher, ou accoucher trois petits tout, ou fait trois petits, yes, ou gain risk. Listen, guys. Listen to that. Guys, for eclampsia, you do the same treatment. The same thing, exactly the same thing, the same. That's how I know it. The same thing. Guess what? Yo baga mbre pou konnen nan pregnancy ou pa ka itilize nan pregnancy yo rele li laxative. Guys, do not take the answer for NCLEX, laxative for NCLEX when it comes to pregnancy. Never pick up laxative and pregnancy client. Pa pran laxative yo pou bay yon pregnancy client. Yon nan client sa ou nan mansyonou la pa bali. Yo rele sa NCLEX tip. Do not give it, please. Pou n fini, troisième complication rele HEP syndrome. Se H-E-double-L-P. H-E-double-L-P. Yo rele HEP syndrome. Troisième complication que vous jouez, qui pourrait le marcher. Guys, login HP, what is HP? What is HEP syndrome? Ok, HEP syndrome. Nan, c'est une complication, ou jouez dans l'obitou, dans pregnancy. What is HEP syndrome? Qu'est-ce qui a défini HEP là pour moi? Faut définir pour répondre à une question dans l'examen, oui? Chaque lettre, vous voulez dire un bagage. Chaque lettre, ça, vous voulez dire un bagage. Ou gen HELLP syndrome. HELP syndrome. And OB. And pregnancy. A complication. Severe complication. Whenever you not, they don't treat the previous, the two previous complication, you're gonna get to HELP syndrome. You're gonna have HELP syndrome. How do you treat it? What happened when you have HELP syndrome? What is the sign? Elevate liver enzyme protein? No. Not elevate liver enzyme protein. Tati, what is the correct definition of it? What is the correct name of it, guys? Let's go. You have HEP syndrome. You can buy HEP syndrome na examen and collect. Yes. Guys, let's go. HEP syndrome, what is that? It's a CV form of preeclampsia. CV form of preeclampsia. When you don't treat preeclampsia, you get to eclampsia, you're going to have HEP syndrome. CV, very red blood cell. Yeah, red blood cell. What happened to your red blood cell? Guys, on formule liye tout oui. On formule. Gyeom ki di mi mola si si levered liver enzyme lo. Good job, Rosemary. Yes. Guys, HEP la vle di hemolysis elevated liver enzyme and low platelet. Chak let yo go definition. Yo kon bali na examen, yo mando ki salye na examen, yo mando ki salye anko. Ok. Now, login yon HEP syndrome, guys, me formula. C'est préeclampsia plus
et comme ça c'est un mieux et puis plus l'hiver problème l'hiver problème là c'est lui qui dit et moi là si c'est l'hiver enzam en l'opé tout là gaz non nous t'ai dit et comme ça le pour si j'ai c'est comme ça lui même l'a bien si j'ai et puis l'a bien l'hiver problème lui même comme caractéristique. Et puis parce que ça parle de bleeding parce que l'hiver là fois c'est un organe qui remet bleed. Mais bon l'hiver dans examen gaz, garder pour soit bleeding, soit hémorragie. L'hiver c'est bleeding. So moun sa yo parle gain ça qui relait bleeding now. Il a bien si j'ai tout, il a bien bleeding, pas oublier. Et HEP syndrome là formule égale c'est pré-éclampsia plus eclampsia plus kidney problem. Or hemolysis elevated liver enzyme and low platelet. Remember that for NCLEX, s'il vous plaît. You're gonna have liver problem, bleeding, and you're gonna have even brain edema. You're gonna have edema in your brain, guys. So therefore, what should you do? What should you do for NCLEX? Whenever you have this problem, what should you do, guys? Please. For HEP syndrome, you always assess vital signs. Assess vital signs, passer pour make sure pour garder pour faire labio pour comment liver pour mon platelet là ou checker platelet là ou checker un liver mon ou faire vital signs ou checker la patient. Then, guess what? You check the blood pressure every 15 minutes. NCLEX question. You do how often do you do the vital signs? Every 15, 1, 2, 3, 5. 15 minutes, you check the blood pressure. Then, after fin check le patient comment se stabiliser, you do it every 1 to 4 hours. Remember that. After you check the blood pressure for 15 minutes, then you're gonna check the vital sign every 1 to 4 hours for NCLEX. Remember that. You don't play with low platelet. Remember, you don't play with low platelet, guys. Parce que vous avez risque for bleeding. That's why you don't play with that. Not only liver problem and platelet bleeding. Remember that. So therefore, patient ça va gagner problème dans central nervous system patient, okay? So patient vient not bleed, what's going to happen? Patient va gagner risque pour dehydration too. Fluid volume qui ça? Fluid volume overload or fluid volume deficit? Let help me somebody. You bleeding? If you bleeding, you have low platelet, you have risk for bleeding. Guys, when pas assess ou là, ou pas gain problème qui pour risk of fluid volume deficit là, soit bleed. You got to be careful with this patient. You got to give a lot of fluid to this patient, guys. Remember that. You got to always check. Good job, good person. Guys, you have to assess urine output and urine input. Fluid, you have to assess for intake and output. Souligner intake, souligner output pour examen. You got to check intake or outtake. What about anxiety? The patient gonna be very anxious, guys. You bleeding, you have risk for seizure, you have low platelet. Come on, low platelet is not a game for NCLEX. You're gonna be like, guys, thrombocytopenic. Ou pas gain low blood pressure, ou pas thrombocytopenia, you have to assess for bleeding. Remember that for examen. Depuis you do bleeding, you do anxiety na examen. Depuis you mentionne bleeding na pran hep. Depuis on mentionne bamba technique là pour finir. Depuis on dou bleeding dans trois complications ça prend HEP là, HEP syndrome. Depuis on dou siger prend eclampsia. Depuis on pas mentionné siger, on mentionné high blood pressure protéine ya. Depuis on mentionné protéine ya prend pour eclampsia. Bamba répondre encore. Caractéristique technique. Depuis on dou protéine ya dans question ou bien high blood pressure prend pour eclampsia. Depuis on mentionné tous ces symptômes dit là yo, yo mettez siger la dame prend eclampsia. Depuis on mentionné liver problème, bleeding problème. Yo mentionné bleeding ou bien moun nan gen risk pou bleeding, li gen low platelet, li gen risk pou bleeding, pran HEP syndrome. That's it. Remember that, for example. Guys, this is what you need to know for those three complications for NCLEX, guys. They love this question. Mwen di, mwen deside parle de yo. Et les apos de question, y'a du, patient sou mec soufe, what is the sign symptom qui contribue à problème? Qui c'est un moun gen pour le docteur? Qui sont doué fait? Y'a pose question concernant examen. Yes. You gotta be careful. You always have to assess this patient, guys. Whenever they give your patient, guys, with low platelet, the third, troisième complication,
nan pregnancy a nan moun ki ansèt a pati de 20 semen nan. Troasyem komplikasyon pli, li gen plus priorite, li gen plus priorite. The highest priority for your three patient guys is HEP syndrome. Paske wap gen HEP syndrome, moun ap, non seman moun gen risk pou gen sujet, lap gen high blood pressure, lap gen tout symptom yo, epi lap gen risk for bleeding. So therefore guys, piske moun nan ka sen el kaba an pil san, sa moun sa avi non priorite pou ou pasan sa. That's it. That's your priority, patient. Don't lead that patient, guys. Don't lead that patient alone. Stay with the patient, guys. Assess the vital signs every 50 minutes. Then you go by 1 hour, guys. Remember that. Remember that for examen, guys. So therefore, le pose question, mwen ta parle de reflex, yo reme reflex nan examen reflex. Gen 3 types de reflex, guys. Can anybody tell me what is the name when you have 3 types of reflex? Can somebody tell me what type of reflex? An pi fwa pa fè klas, ou be etudyan pou suiv klas, ou pale moun nan de reflex, an pasan pou chek kon reflex, ou gen 3 types de reflex pou konnen pou examen. 3 types de reflex. Lo ap cheke reflex an pasan. What is the reflex name? Ou gen 3 types of reflex. Let's go. Can somebody tell me the 3 reflexes you may find in NCLEX? 3. Gen yon nan dayo pa fè rien. You just document it. Gen yon nan reflex yo ou do. Gade, m'palo de reflex lo. Cheke reflex yo pa si an. Se m'palo de reflex da. Le li low, le li high, le li. Ba, se sa m'palo la. When it's low, when it's high. For what is the name and then. Koman yon le yo ki vale. Ase yon test kon bo vale pou yo guys. What is the name? What is the name for the reflexes and what is the value, guys? What is the normal value for them? Jis pou nou fini pou ka komprenn sa reflex la. Guys, nou gen low reflex, nou gen high reflex, epi nou gen normal reflex. Bambou pon anko. Ou gen low reflex, ou gen high reflex, ou gen normal reflex. When you have low reflex, what is the name for low reflex? What is the name for low reflex? Ki lot nou, ki nou si name nan? And then high reflex are gon name. What is the name for high reflex, guys? No, not tendon reflex. I'm talking about reflex, guys. Reflex. The low reflex, they call it hyporeflexia. But from fini an over, it be hyporeflexia. The high reflex, they call it hyperreflexia. And then, absent. You can say absent or when it's low, guys. And then when it's normal, they call it normal reflex. Mi vale ou de konen etudyan nursing. Le ou di ou hyporeflexia, vale normal la se 0 ou bien 1. Vale normal pou hyporeflexia se 0, 0 ou bien 1. E sa fe, ou moun ka pran mek sofe, li pa ka gen reflex 0 ou bien absent. Li pa ka gen il, remember that. Hyperreflexia, vale normal pou hyperreflexia, pou hyperreflexia se positive 3, ou positif 4. Gen moun nan pil moun konnen, m fè klas deja m konnen ou pa konnen. Pren not guys, please, ekril. Ba m wè pren ankon. Ou gen 3 type of reflex, you need to know for NCLEX. The number 1 reflex is hyporeflexia, which is 0 or 1. Hyperreflexia, positive 3 or positive 4. Hyperreflexia. The normal reflex, normal reflex. What is the normal, Edmond Dimitri, ki normal reflex, ki vale normal reflex? Let's go. Mwen di low, 0 ou bien 1. Mwen di high reflex ou bien hyperreflexia, se positive 3, positive 4. Make sure kon sa ap examen. What about the normal reflex? What is the normal value? When you have normal reflex, guys. Let's go, guys. Now you know. The normal reflex, guys, is equal to 2. 2. Ba mwen pren anko, paske gen pil fwa an pe kesyon, yon pose an kesyon sou reflex ou pare ou. Yeah, positive 2. Listen, guys. Hyperreflexia se 0 ou bien 1. Hyperreflexia positive 3, positive 4 ou hyperreflexia. Then for normal reflex, nou yon pasyen se 2, you don't do nothing. You document it. Just document. Document it, guys. Remember that. You document it. Okay? You document it, you don't do nothing. There's nothing happen. Pa gran rien krive. Remember that. Now, guys.
Là, on pose une question d'examen, prends son pour une question de gaz. Par exemple, on va faire une question avant, moi. Là, on pose une question, prends son pour répondre une question dans examen, please. OK, on va une question sur hobby, moi. I'm trying to have a hobby question. Trying to get a question for you. Okay. Nous parlons de réflexion net. Nous parlons de réflexion comment pour qu'on ait un examen. Make sure écrit dans tête carré pour qu'on ait bien qu'on ait gaz. Réflexion, ok. Guys, this is an NCLEX question. You have a pregnant woman. Change question, sir. You have a pregnant woman. She is pregnant of a twin. L'igual fait un marasa. You do qui so doit assess qui plus fréquent. What is the most important thing to when you assess for maternal? You assess for what? What type of problem the patient? What expect patient sa kagne? N'a parlé n'a vinn sou li après ectopique et pregnancy après nous on parler de ça placenta previa placenta abortion. Yes, it's gonna take me long to talk about it. Okay, ectopic pregnancy is one of the complications also, guys. Okay, on aller pour ça en passant qui enceinte patient attend pour la ligue pour l'accoucher en barasa ou twin, what should you ask? What is the most important thing should you assess? On va la réponse yo. Et you assess, ça bien oui. For fluid volume deficit, fluid volume deficit. B you assess for maternal anemia. Maternal anemia. 3 you assess for low platelet. Okay, low platelet. And then D, you call healthcare provider. You call healthcare provider. Do you assess the patient for fluid volume deficit, for anemia, or low platelet, or you call healthcare provider? A patient is this patient just vini ou just connaît patient pour faire deux timoun qui sont expect ou pas mettre en tête que pour assess patient ça ou pas assess comme qui dit maternal anemia hein bam tant l'autre monde toujours anemia. N, do you assess for fluid volume deficit? Do you assess for low platelet? Do you call healthcare provider or do you assess for maternal anemia? Good job, guys. Depuis au bon question d'examen, depuis mon a fait deux timoun, mon sa gen risque pour perdre 100. Mon sa gen risque very high risk to be anemic. So guys, you have number one thing you got to check in this patient is maternal anemia. Maternal anemia. Remember that for examen. Depuis au do twin, la fait deux timoun ou bien trois timoun. For access for maternal anemia pour examen guys. Et si on doit un plat en patient, li gen une complication qui est le placenta insufficiency. Placenta guys, do not come here, I'm not done yet. Placenta insufficiency, what is the correct position for this patient? What is the correct position for this patient? A high Fowler position. B low Fowler position. C left side position. D call healthcare provider.
Do you call left cap over there? Do you put in high for left position and low for left position or left side position? Or you call left cap over there? What do you do, guys? What do you do? Let's go, let's go. And next question, oui? Placenta insufficiency. Or plus placenta insufficiency. Log on placenta insufficiency. What do you do? Do you call left cap over there? Do you put the patient high Fowler comme ça? Ou bien mettre patient dans low Fowler or left side position? What's your answer? What is your answer for NCLEX? What is your answer? Gomme qui dit A. A update dit c'est high Fowler position, guys. Et puis bim de dit low Fowler. C, moi je dis left side. Et puis D, call left cap over there. Good job, guys. Good job. Good job, Ella. Left side position. Guys, depuis yo bon obi question dans examen, ou patient gen complication depuis ces complications au biogaz attendez bien depuis ces complications au bio bon examen le plus souvent yo remet by placenta insufficiency ou bien placenta ou bien mon gen préeclampsie gaz depuis yo bon placenta insufficiency left side position pour mettre patient. Good job, guys. By the way, prend note, m'bal by note sur left side depuis yo bon question dans examen clex. Sous position, attendez bien, prends note. Depuis un patient sous fait chirurgie, son patient qui a un problème airway ou bien breathing problem, ou bien patient sous font chirurgie immédiate après surgery, depuis un chirurgie dans l'examen, attendez bien, ça m'a dit, oui. Sous ou pas qu'on est question, toujours prend low Fowler position. Ben, moi, on a parlé de. On va le voir quatre positions qui sont toujours dans l'examen. Toujours prend. Comme réponse, low Fowler position. Comme réponse. Ou correct. Ou 95 à 99% pour répondre à la question bien. I say, when you don't know the question. Always pick up after surgery, low Fowler position once you don't know the question. Ou correct. Now, pour left side là. Mbal bo 3 patients toujours sorti dans examen depuis yo bon left side dans examen pas jamais prend left side si c'est pas patient ça ouais guys premier patient pour veiller dans examen pour prendre left side comme réponse dans examen clex enema enema or suppository guys ou mettez moun dans left side or seems position number 1 left side patient pour prendre un examen clef li rele enema ou bien suppository. Make sure you know that dans examen. Gars patient ta vinn gen placenta ki sou se baby a vinn gen compression of the umbilical cord. Moun ki mande na, you have a compression of the umbilical cord to release that pressure because umbilical cord la se nan lòt bò li patient, you have to change position because the patient there is a risk of ou capable gen risk pou pou la parce qu'on be lòt position. Now to release that pressure, you got to position the patient on the side. So then this patient gonna be able to breathe and then the patient gonna be feeling better. Donc okay, passant en s'il plus mieux, la passant barrages pour release compression qui fait release pressure, you got to do that. Parce que on vient à cava là et puis donc pour capable release pressure, you better put the patient on the lateral side ou bien left side. Listen guys. Nous fait une petite idée. Premièrement, depuis où enema prend left side dans examen. Deuxièmement, depuis où placenta insufficiency prend left side. Ou bien latéral side ou seams sur par left side non ah comme qui te répond moi là oui troisièmement ou prend air embolism air is air embolism is embolism trois patients ça yo depuis c'est pas au même moment examen. Pas courir prendre left side dans examen clex s'il vous plaît. Do not pick up left side position unless you know it. But those three patient guys, they always say conseillable left side dans examen clex, enema left side, air embolism left side and then placenta insufficiency is left side. Pour me conclure et live là, moi conclure avec ti fax ça pour. Be careful with this one, guys. Then,
Mwen ba elef sa la, mwen bo 3, fak, enema, mwen di inima, mwen di R, embolism, placenta, insufficiency. Pa kou ya pren position kon sa, de pou ou pa kon position, pa pral. On let patient, ou bezen pral fon, on posuji, se chita pou chita pou kabouif, pasan kon si opidi ou bien lot problem, yes. Ou de wad, depi se chirurgie se fè, ou bien lot bagay pasan, on posuji se fè ou patient, mette li nan lo, nan lo, fare position pou mwen si vous plaît, please. Guys, I love you all. Mwen te vini pou m debò complication sou obi, mwen tout bon position pendant t'a parlé de left side et puis n parle de reflexion ou de konnen. Guess what? De pou prend examen, c'est mettre tout en place, li question, chercher mot clé et puis identifier question est-ce qu'elle c'est positive, est-ce qu'elle c'est négative. Ou ap répondre question, ou ap prend son, ou ap wè si bien rapport avec content là avec sa bozo là. Et puis, ou ap répond question yo, ou ap gen less anxiety. Mwen kaedo, souvini, mwen fè plus content avec timoun yo, mwen aide yo, nan kreol la, mwen explique yo content la, mwen dou tout ti teknik sa ou net sou chak chapit yo mbo teknik. Relem nan 561-319-4660. If you need a review guys, I can help you have all those content, all those strategy, all the teknik. If you call me at 561-319-4660. By the way guys, mwen pa bay free teaching nan anko paske lèm bay li, mwen expect nan coronavirus pou mwen te gen an pil moun. Non gen ap gade lòt moun plito, non pa vel pataje live la, I'm sorry. I'm just gonna give just a little content like I used to do every Sunday and that's it. That's what you want? I'm always expecting to have minimum tonight 500 people. Guess what? Mwen pa menm rive nan 100. Mpa même rive nan 100 moun, pa même rive nan 200 moun, I swear. I'm not happy about it. If I'm helping you, you have to help me too. You have to encourage me, guys. You don't do it, I'm sorry. I'm not gonna have free teaching. I'm so tired, so travay, fatigué. Mpa kou même pran bagay, mwen choisi pou m'encourage ou. Ou même guess what? Ou pa partager la vla, ou mpa gen quantité moun non de le gen, ou gen mwen moun, I swear. Et na pale don tem yo remen. Ba yon nan question examen. Ki se pri eklamsia, eklamsia, hep syndrome, nou palo de tout bagay sa ou avèk nan inet tan et demi, nan pil tan pou pou m palo yo pou ka kompran yo, ou pa pataje la vla, I'm sorry. So what I'm gonna be doing, mwen pou al eseye travay pito, ok? So gen moun ki la ka yo, pa pataje la vla, se mwen 100 moun, preske 100 moun nou pataje la avèk, chak moun pataje la 5 moun, ou multiple 100 par 5, la ba 600 moun. I'm so sorry. I'm gonna try to do it another way, guys. If you want the review, call me. So, besoin review a relim, I'm gonna have a live review. You connect to me, I explain you, you participate, where question, where slide you, where PowerPoint you understand, and you do question, you ask question. Listen, I'm not gonna do the free teaching because it doesn't work, because I'm expecting to have more student, guys. I'm just gonna do what I used to do. I'm gonna motivate you and then that's it. Listen, if you need a review, guys, I'm gonna be available for 1 hour tonight. Call me at 561-319-4660. Relève nan 561-319-4660. Sous besoin review en créole. Ou besoin review en créole, relève nan numéro ça. Pour m'kaido. Ou même qui gagne classe demain matin à 10h demain si Dieu veut, relé ma soirée, relé ma avant 10h pour faire paiement. Si ma fait classe là, pas prend appel de ma fait classe. Pas prend paiement après classe là, ou besoin classe là, ou même qui était dans classe déjà, ou même qui dans live là, ou même qui gonz amou, qui était dans classe samedi passé avant, demain samedi à 10h m'a commencé classe là à 10h. Relé ma soir pour faire paiement ou bien voyer paiement automatiquement parce que m'était douce chaque semaine pour faire paiement ou bien faire paiement pour un mois. Merci, I love you all guys. I see you next time. But guess what? Mwen pa trop content parce que m pa gen moun ki m dwe gen yan, non pa partager la vla soya guys. This is teaching, free teaching, encourage ou pas examen flex et ou capable examen. Sou besoin tuteur, ou besoin moun ki pou ba review en créole pour capable étudier, pour motiver, pour comprendre ki jan pou répondre question dans examen NCLEX pour al gen licence ça, rele mwen dans 561 319 46 60. Merci.
Merci. If you want a review, call me at 561-319-4660, guys. Si ustedes quieren un repaso en español, llámenme al 561-319-4660. Yo también hago el repaso en español. Llámenme, guys. Llámenme a este número que está en la pantalla. O contáctame vía Facebook para poder ayudarle. Gracias. Nos vemos la próxima vez. Thank you, guys. See you next time. Guys, stay focused. Stay tuned. Study hard. You can do it. You can do it. Thank you, guys.